Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. 7h50 dans 6-9 la matinale. Samia Aloun est à mes côtés. Comme chaque matin dans la matinale, enfin des fois il est en déplacement, il part pour la chaîne 3 en reportage, il part à Ain Salah, il part de plein d'endroits et moi je regarde ses stories comme ça et je lui dis oh là là t'as de la chance Samy. Bonjour Soraya. Bonjour. Alors dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de la programmation d'applications qui propose divers services en ligne. La maîtrise de la programmation est essentielle pour assurer la continuité des fonctionnalités proposées ou leur mise à jour régulière. Pour mieux donc repérer les talents en lien avec la programmation, différentes universités du pays mises sur l'élite universitaire et sur des concours dédiés. La programmation et le développement résident au cœur de cette transformation digitale. Derrière chaque application, chaque plateforme numérique au portail web utilisé, c'est des programmes minutieusement développés par des compétences en informatique qui arrivent à travers un langage de programmation à rajouter des fonctionnalités pratiques utilisant soit le smartphone, soit l'ordinateur pour effectuer toutes sortes de tâches. Vous avez probablement déjà téléchargé une application sur mobile, puis après quelques essais, il y a des problèmes, un bouton ne fonctionne pas, l'application s'arrête sans raison, des bugs qui arrivent et qui bloquent parfois l'accès à l'application elle-même, dû principalement à une mauvaise programmation, vous indiquant par exemple que vous n'êtes pas connecté à internet même si vous êtes en ligne. Dans certains cas, c'est également dû à des problèmes de connectivité. Des erreurs qui entravent le bon fonctionnement des applications, donc des services qui y sont proposés, d'où l'impératif de disposer de ressources qualifiées qui saisissent l'importance d'avoir des applications optimisées pour une utilisation fréquente, voire quotidienne, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin exprimé en e-commerce, en transport ou de tout autre service nécessitant une mise à jour en continu, côté information, côté indicateur, mais aussi côté fonctionnalité, pour s'assurer de leur disponibilité en continu. Pour essayer de trouver des pépites qui maîtrisent l'outil de la programmation, c'est des compétitions qui sont organisées au niveau des universités qui visent à encourager la maîtrise de nouveaux concepts technologiques, de leurs pratiques et de tout genre d'expérimentations qui peuvent s'avérer être bénéfiques sur le long terme, se basant sur l'élite universitaire pour soutenir cet engouement qui consiste à explorer de nouvelles possibilités. Une compétition s'est achevée récemment à l'université de Biskra, qui avait comme thématique l'automatisation et la robotique, des concepts qui nécessitent un savoir à la fois côté programmation, qui a permis aux clubs scientifiques de plusieurs universités du pays de tester leur capacité à innover. Trois lauréats se sont ainsi distingués parmi une quinzaine de projets innovants ayant participé. Autre compétition cette fois-ci à l'université de Saïda, qui cible principalement les passionnés de l'informatique, un concours d'une création d'une distribution Linux algérienne dont les inscriptions se poursuivent jusqu'au 8 juin prochain. Merci beaucoup, Samy.